Bonjour tout le monde, non, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech et Plus. Dans le tutoriel précédent, moi t'ai montré nous qui j'en nous capable déployer Nextcloud version 20 sous Docker. Suite à demande de quelques abonnés, moi vais montrer nous qui j'en nous capable mettez Nextcloud sans déployer disponible, ça va permettre que moun qui en dehors du réseau capable de connecter sur lui. Donc n'importe moun qui est à côté moun dans le monde là, dès moun qui a internet, la capable connecter sur instance Nextcloud. M'a montré qui j'ai pour faire pour Nextcloud, mais quand gagne n'importe autre application qui sur réseau là, ou toujours capable utiliser container pour déployer là Nginx Proxy Manager pour capable bail accès à application ça. Que c'est WordPress, que c'est Nextcloud, mais n'importe quelle application, on peut faire ça sans problème. D'ailleurs, c'est un conteneur que moi utilisé pour propre application par moi. Là, moi gagné wiki.techplus.net qui ouvre. Donc, moi toujours dis nous que tout tutoriel moi fait désormais a gagné un guide qui rédigé en français qui accompagne lui. Donc, c'est pour francophones qui sont channel là, donc qui gagne problème généralement avec créole là. Donc, là ça vous capable aller sur wiki.techplus.net et vous avez gagné guide là en français pour capable suivre ça qu'a fait dans la vidéo. Donc n'a cherché pour déploiement Nginx Proxy Manager. Mais il là donc n'a cliqué sur lui. Voilà, donc c'est lui même ça, il gagne toute capture d'écran. Donc probablement dans capable dans la capture d'écran cas différent, donc c'est pas grave. Mais on met juste aller suivre ça qui dans ça, on capable faire lui sans problème. Pour nous faire tutoriel ça, n'a utilisé machine que nous t'ai déployé Docker sur lui, pas oublier que dans tutoriel précédent, nous t'ai d'abord installé Debian sur une machine virtuelle, par la suite nous t'ai installé Docker sous Debian. Si vous pouvez suivre tutoriel ça, je vous demande d'abord pour aller sur trois tutoriels ça avant vous faire tutoriel ça n'a fait là. Ou bien pour d'abord aller créer machine virtuelle là, nous avons un tutoriel sur ça. Ensuite, ou bien pour installer Docker sur lui, nous avons un tutoriel sur ça. Et par la suite, ou bien pour déployer Nextcloud, nous avons un tutoriel ça qui fait déjà tout. Et ensuite, ça comme quatrième tutoriel, on va venir là-dedans. Nous même des tutoriels pour de déployer et porteneur sous lui tout. Donc, il est important pour aller tout. Donc, au lieu de 4, donc, vous avez 5 pratiquement tutoriels qu'on suppose regarder d'abord avant de venir là. Donc, si nous regardons, map tout aller sous porteneur que nous déployons déjà, voilà. Donc, nous avons songé que là, nous avons fini déployer Docker, nous avons installé porteneur sous lui, qui c'est lui-même qui bat nos interfaces graphiques pour nous gérer serveur Docker noir. Et puis, par la suite, nous avons installé Nextcloud. Donc, mes deux conteneurs Nextcloud, qui c'est l'application avec ma version MariaDB que nous avons installé pour lire. Si nous regardons, donc, image là, c'est une image MariaDB. Et là, image ça, c'est une image Nextcloud. Donc, je vais nous déployer un autre conteneur qui c'est Nginx Proxy Manager pour nous capable bail accès à Nextcloud. Si nous cliquons là, nous prenons compte que. Donc c'est pas grave, c'est parce que lui m'a dit faut que moi gagne HTTPS. Voilà. Donc c'est en local seulement qu'on y a Nextcloud ça est accessible. Donc c'est Nextcloud ça nous balbay accès avec dehors. Ça que nous pas du tout temps. Notre tutoriel je dis n'a bien pour nous utiliser image j'ai le sage là. Tout le monde qui besoin une image pour déployer donc juste aller sur hub.docker.com et puis là ça on va juste taper non image au besoin. Pour capable venir. Donc c'est image ça n'a pas utilisé jeudi, on a regardé son image qui gagne 13 jours depuis l'été fait mise à jour. Donc généralement c'est une barre pour prêter attention avec eux. Donc c'est quantité fois yon moun téléchargé image là, donc combien pouls li gagne. Donc nan wè ça li gagne plus que 10 millions et puis c'est qui dernière fois ont été fait mise à jour image là. De juste le monter nous ça, donc c'est là toute image n'a pour c'est là au sorti. Donc m'a fermé ça. Là m'a gagne vous tourner sous sa table là nous fin déployer conteneur parce qu'on a venir pour nous créer yon OC record. Donc qui c'est sous domaine que nous pourra l'utiliser. Pour mon n'a capable accéder à Nextcloud. J'aimerais dire on a utilisé Git ça pour nous capable faire là moi gagne Docker c'est sur serveur Docker moi connecté là. D'abord ça n'a fait c'est faire mise à jour li. Nous connaissons donc c'est sudo apt update n'a et add sudo apt upgrade. Dans quelques cas, nous avons, puisque c'est des biens, il y a des gens qui mettent full upgrade, donc c'est pas grave, là, pour faire mise à jour là. Et bien, on a pesé entrer. Tirer Y là, c'est pour ne pas besoin de me confirmer, pour le juste faire. Il m'a demandé mon mot de passe là, m'a demandé mon mot de passe là. Et voilà, la vérifier si il y a mise à jour et si il y a, la installer. Dans le cas contraire, la dit tout bagage en forme, et bien, laissez-nous capable continuer avec tout ça là. Voilà, donc, il y a fait, on a nettoyé l'écran, pour nous faire taper CTRL L. OK. L'autre bagage, donc, pas oublier que l'âme se montre nous, mais contenant nous gagnons qui est disponible sous Docker. Donc, si vous voulez me décager, je vais taper Docker PS.
l'étape bon moi justement l'histoire conteneur qui disponible n'a regardé là donc maintenant Nextcloud NextcloudDB partenaire c'est bien nato donc c'est Nextcloud NextcloudDB partenaire. OK, nous pourrions connait avec toi écran contrôle L qui ça guide là mandé pour nous faire d'abord on a tourné sur guide là il dit pour nous créer un répertoire ça. Ou même on ka ba répertoire pour la non voulez mais d'abord nous pas regarder est-ce que nous pas gain répertoire ça déjà parce que nous t'ai gain déployer l'autre image sur serveur. Donc pour nous faire ça n'a taper n'a fait un petit ls slash l slash on va aller dans home et on garde qui folder là dedans voilà donc on déjà gagné folder ça que le docker container. Donc qui ça qui en dedans ls l slash ça est juste ça me t'ai copié juste retirer ça en plus et voilà donc il gagne folder Nextcloud là avec folder partenaire qui ça guide demander donc il demande de me créer donc conteneur ça puisque là déjà pas besoin créer lui d'abord ça lui demande pour me créer une pour nginx proxy manager m'a copier lui on copier bout ça on va gagner pour copier tout m'a venir là m'a d'abord entrer dans directory ça pas bien que moi m'a fait légèrement différent mais sous suivre guide là j'en l'air pas bien problème m'a cédé en dans ça mettre nettoyer quand y a si me fait ls voilà mais au dehors quand y a m'a dit sudo mkdir qui veut dire créer un directory que m'a brûlé ça veut copier nginx proxy manager besoin entrer et voilà il créer quand y a si me fait ls voilà quand y a me gagner nextcloud qui était là déjà porter là déjà avec ça moi fin vouloir qui l'a déjà moi créé l'avant mais si me te venir capable me créer application l'a déployer il t'a quand même créé répertoire que m'a dit de créer. Répertoire nous fin créer, nous qui t'a parti deux étapes, nous qui t'a fini à deux ça yo, qu'on y a mes codes n'a bien pour nous utiliser pour nous capable déployer conteneur. Mais là, donc m'a juste copier lui. M'a vinn là, moi coller lui. Voilà, donc il dit docker one, là je dis donc en mode détaché pour pas être connecté en dans conteneur. Il dit qui gens pour nous reler conteneur ça mettez dash dash name égal non conteneur, nous voulons pour nous reler nginx proxy-manager ou kabali non voulez. Qui port donc son conteneur cap disponible dans port 8201 faut qu'on assure que port ça n'est pas occupé m'a vérifier qui port disponible moi regarder là moi gain 8203 moi 8200 donc 81 disponible donc m'a pas gain problème avec ça il capable toujours utiliser port ça pas bien que moi dit nous déjà dans tutoriel précédent donc dans port d'HP tout port qui à gauche. Donc partie ça ou ka changer les sans problème. Mon pas ka changer partie qui à droite là parce que c'est un dans conteneur allié donc c'est lui même il va déjà compiler pour l'utiliser pour ça. Pour ça c'est lui même qui permettre que yon moun accéder à nginx proxy manager. Par la suite, puisque ou pral gen pour prendre certificat à partir de nginx proxy manager, donc let's inscribe a besoin pour capable connecter ou bien pour capable communiquer avec conteneur. Donc nous gen pour ça 181 donc ou ka changer partie ça toujours me dit hein, ou ka changer lui. Mais partie de ça ou pas qu'à changer li. Comme c'est image ça m'a utilisé donc c'est que ça port en derrière donc si me utilise l'autre image j'étais capable moi bon moi l'autre port donc le service gain pour qui port pas besoin pour utiliser en fonction de qui image ou prend sur hub.docker.com. Généralement image dans docker est éphémère donc ça veut dire image là l'a font mise à jour toute configuration tout paramètre tout est gain dans li tout efface tout donc l'important pour nous sauvegarder configuration ça pour l'une font mise à jour pour toute bagaille pas aller pour ne pas en courir n'a dit pour li kembe une copie de configuration conteneur ça sous au docker là nous était environnement ça dash vie qui veut dire volume. Et puis nous dit qui côté slash home slash docker containers slash et bien derrière comment nginx dash proxy dash manager et puis n'a pas m'appli avec qui est avec folder qui relé slash config qui en dans image Jules le sage nginx proxy manager l'on fini Jules le sage slash nginx proxy manager pour nous avoir juste entrer système n'a vérifié est-ce qu'on gain image ça déjà sous lui ou pas gain image là l'a télécharger à partir de hubdocker.com. Donc moi pas montrer qui j'ai pour nous utiliser Docker. S'il est important pour nous, on a juste fait un commentaire qui m'a demandé pour moi faire un tutoriel spécialement sur qui j'ai pour nous utiliser Docker. Et puis là ça m'a fait un tutoriel, une ou deux ou trois tutoriels tout sur qui j'ai pour nous utiliser Docker avec qui j'ai pour nous utiliser Docker Compose sans problème. OK, donc là il finit déployer, il va un message ouais, c'est que tout bagarre en forme. Qu'on y a m'a nettoyer l'écran. C'est bien dame dit Docker PS toujours. Voilà, t'as l'âme de gagner 3, qu'on y a moi gagner 4. Si m'ta vle wè ki resource utilisé, m'ap di docker container stat. Et ça la bombe ki resource yo chaque utilisé, voilà. Donc là ou gagne 4 container yo.
Donc, j'aime dire là, donc, si nous besoin cours sur Docker, n'a fait commentaire, là, ça m'a fait un cours spécifiquement sur qui j'ai pour nous utiliser Docker. Je fais contrôle C pour me sortir là-dedans, nettoyer l'écran, même j'ai tout souvenir de n'importe une heure. Ou faire refresh. Voilà, on va prendre compte que qu'on y a un conteneur qui relaie Nginx Proxy Manager. Si vous voulez garder le log là, on va cliquer sur ça. Là, ça va bien tout détail de qui ça va passer en devant conteneur. Pas de problème. Donc, qu'on y a puisque les fins déployés, on va regarder qu'on y a qui ça guide lundi pour nous faire. Nous allons faire tout ça. Guide lundi, on peut aller dans l'adresse IP server avec Paula pour qu'on va accéder à conteneur. Mais pas de problème. D'abord, nous avons besoin de qui ça adresse IP, on va taper IP et. Entrez. Donc, puisque c'est Docker, donc il y a plusieurs autres réseaux sous l'ITO, réseau virtuel pour Docker. Donc, ça fait l'Iban plusieurs. Pendant que cherché, c'est ça, c'est le principal là. Donc, c'est ça qui adresse IP serveur. Donc, nous copions 203, CTRL V, et puis deux points qui c'est pour nous utiliser, qui c'est 8201. Entrez. Hop, il y a deux points d'entrée là deux fois. Donc, on a préfacé une, recopier, CTRL V, entrée. Et voilà, donc là, nous avons interface Nginx Proxy Manager. L'autre bagage que nous avons besoin, c'est qu'on ait qui mot de passe avec email adresse par défaut. Guide là, toujours de qui est lié. On a parlé dans le guide là. On a regardé là, il dit non, qui c'est. Email par défaut, c'est admin. On a copié lui. Et puis, mot de passe, c'est change me. Donc, changez me. N'a venir là nous copier email là, n'a mettre change me et puis n'a faire entrer et aussitôt l'a demandé nous never l'a demandé nous pour nous changer nom. Donc si vous voulez changer nom full name là, vous répétez ça vous voulez, moi même capable de mettre tag plus administrateur admin, pas un problème. Email là, donc m'a mettre support@tagplus.net. voilà. Alors, fin fait ça, la demande qu'on y a pour changer mot de passe là. Voilà, on va mettre current là, qui c'est mot de passe par défaut, change me. Et puis, on va mettre mot de passe que vous voulez pour interface là. Pas oublier que vous mettez un mot de passe qui fort, même si vous mettez un très court là, donc c'est juste pour un pour un test. Mais on même assure que vous mettez un bon mot de passe. Les 10 mots de passe n'ont pas match, apparemment, vous faites un yon. Il va me changer. Change me. Montrer premier, montrer deuxième nom. Et voilà, moi dis sauvegarder. Et voilà, il prend li sans problème. Là, qu'on y a nous gagné Nginx Proxy Manager nous qui en fait. Qu'on y a gagné l'autre bagage ou supposé faire. Pas oublier que on nous aller dans conteneur pour nous garder ça m'a dit. Pas oublier que ou t'es gagné 3 ports pour Nginx Proxy Manager. Nous accéder à interface là avec port ça qui c'est 8201. Cependant, j'aime te dire nous. Let inscript pour le besoin pour le connecter à conteneur pour regarder est-ce que port 80443 est disponible. Donc vous pouvez pour pointer port 80 et port 443 routeur port là vers port ça. Port dans capanna c'est port 1443 avec port 180. Donc si vous avez changé, vous avez pour modifier. Moi même m'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai une application qui a marché. Moi déjà gagné une instance Nginx Proxy Manager qui déjà utilisé. Donc pour ce tutoriel là, c'est lui m'a utilisé. M'a juste montré nous cependant sur routeur qui j'ai ou pointer port yo vers instance Nginx Proxy Manager port là. M'a connecté sur routeur moyen. Donc là on va aller sur security. De manière que routeur, bien entendu, parce que chaque routeur a une propre configuration par eux, mais généralement, ou direction un port vers l'autre, donc c'est plus ou moins semblable. Donc, vous pouvez aller dans l'application End Gaming, vous pouvez aller dans Single Port Forwarding. Et puis là, on va regarder par exemple NPM, moi je pointe port 80 external routeur. Donc, le on demande de sortir dans port 82, moi je dis pour pointer vers port 180. Là, il sortit dans 443, puis pointer dans port 1443, qui c'est justement. Même port qui n'a container. Qui n'a container Nginx Proxy Manager. Et puis, moi mettez adresse IP. Là, je vais adresse IP parce que j'aime des noms. Donc, ça, c'est une autre instance. C'est l'instance que moi utilisé officiellement. Ok, donc c'est sur l'instance ça nous parlons pour nous continuer. L'autre reste tutoriel là. Parce que je n'ai pas besoin de changer là. Parce que si mal fait ça, application qui dépend de l'instance PAM, il n'y a pas disponible. Ok, donc là, fini. On peut aller dans le dashboard. Le wall dashboard ou pour aller dans proxy host, généralement c'est là où tout est, mais quantité host ou gain qui disponible là, nous gain 0 parce que pas gagné. Donc, j'aimerais dire nous,
Une fois qu'on finit ça là, on met traité là moi-même m'a obligé de traverser. Mais avant même moi aller, faut qu'on a préparé par exemple domaine mon n'a pas rien pour le taper pour lui capable rediriger vers installation Nextcloud. Donc ils a fait moi pour aller moi gagne HostGator, donc faut qu'on gagne un domaine pour capable créer sous-domaine ou bien pour capable créer host record etc. On va aller dans Advanced Zone Editor. J'aimerais dire nous dépendamment de qui hébergeur ou gagne tout ou bien qui côté ou prend domaine ou ou li capable différent là moi sur HostGator mais sur Fatco sur GoDaddy n'importe où ya Just Host li capable légèrement différent. Donc là m'a choisi domaine moi vle ya. Donc domaine moi vle ya c'est techinterest.net. Donc m'a créé un host record pour lui, donc m'a quitté le sous A type A, donc c'est un host record. M'a prélé li YouTube non t'aimerais le cloud tuto. Voilà. Et 14, m'a bien prendre le temps, te mette 300 secondes. Là, on mette adresse IP réseau. M'a point adresse IP public moyen, on pointe le. Voilà. Donc là, on mette adresse IP et vous dit ajouter. Le final ajouter, vous descendez en bas là, vous abonnez. Donc tout ça, c'est tout haussement gagné. Donc, pas de problème. Donc après faut regarder est-ce que il est disponible dépendamment de qui genre hébergeur pour la fonctionner, il qu'a prend quelques heures, il qu'a prend quelques minutes, comme ça qu'a prend deux jours tout. Nous va regarder si pas dans disponible, nous va aller dans DNS. DNS checker. N'a entrer sous domaine là. Moi le sous domaine mais c'est un host record, bon il vient créer un sous domaine de Tekken Plus. M'a petit search et voilà donc il est prêt. Puisque que t'es prêt donc moi dit m'pas parler sur ça donc mettre fermer li moi pour aller connia sur officiel là pas moyen moi pour aller sur npm pas non et m'a entrer yep quoi c'est ça m'a connecter sur lui voilà là pour nous compte que moi gagner 24 hosts qui sont là déjà de 24 autres m'a checker, m'appliquer sur libre montrer, ensuite m'a venu dans add proxy host. Qui j'aime dire les host record moi c'est ça le tien. cloudtuto.techpress.net. Voilà, on fait tab. Qu'on y a demandé qui adresse IP serveur me besoin ou diriger vers lui-même. Donc on va tourner sur partenaire 1. On va regarder adresse IP à c'est ça. Donc c'est 4 non en fait nous utiliser Nextcloud puisque c'est Nextcloud nous besoin donc n'a cliquer sur Nextcloud là n'a pas oublier que là il y a 443 pour changer pour prendre https si on clique sur lui là il va même message ça pas inquiéter nous j'ai même fait à l'heure https://. Entrez voilà donc ça c'est lui même ça donc moi besoin adresse IP ça pour moi capable mettre dans Nginx proxy m'a vina on fait contrôle V. M'a retiré port là, m'a metté port là en place qui c'est là et puis ça m'a changé en https parce que c'est https lié. M'a checké WebSocket support, m'a checké Block Common Exploit pour protéger lui et puis m'a aller dans SSL. M'a dit pour lui prendre un certificat dans main let encrypt. Donc m'a dit request a new certificate. M'a checké deux ça yo même pas checké rien parce que même si m'a checké yo après ça obligé réouvrir pour moi checker encore. M'a quitté le comme ça, on va entrer adresse email ou voulez pour attribuer à certificat ça pour le lab expiré pour envoyer notification pour son adresse email là etc. M'a dit moins d'accord et vous m'appliquez sous sauvegarder là l'inscrit pour regarder est-ce qu'il est capable de communiquer avec réseau pour là et ça fait faut qu'on ouvre pour 80 pour 443 pour le capable donc là les fin créer les donc c'est moi te dit c'était tuto quelque chose nous pour chercher les là tuto GHIJKLMNOPQRST. Oh non, il était Cloud Tuto. Donc c'est dans ABC. Là, cloudtuto.techpress.net. Donc il est déjà opérationnel, mais là, je me dis, je vais le faire que l'homme, par exemple, si je clique sur lui là, tu as montré nous, il n'a pas accédé avec lui. Bon, là, il y a un problème ça dans Nextcloud, mais pas inquiéter nous. On va courir ça après. Mais si mon n'a retiré HTTPS là, l'a toujours accédé avec lui. Nous allons voir que même les gens entrent sans HTTPS pour lui forcer d'utiliser HTTPS, donc pour lui forcer d'utiliser
SSL. N'a vina, n'a pe cloud, voilà, n'a pe dit li. N'a vina SSL, n'a dit force SSL. Et n'a pe utilisé http/2 support, n'a fait save. Le ça, même si moun nan tape sans HTTPS, la automatiquement redirige moun nan vers HTTPS. Mette fermé ça. Ma vina. Non, mette fermé ça à tout. M'te fermé le déjà. Dans ce cas, si m'te fermé le déjà, ma vu ce que vous voulez à partir de là, en cliquant sur lui. Voilà. Donc là, qu'on y a les gagnants. Donc même si qu'on y a moun nan tape vina retiré S là, donc là toujours, vous mettez S là automatiquement. Donc là, ça l'est forcé pour moun nan utilisé HTTPS. Donc là, qu'on y a l'est dit moi, access through untrusted domain. Puisque vous installé Nextcloud là, avec adresse IPA, donc c'est adresse IPA qui n'a fichier de configuration là. Donc qu'on y a même supposé, elle fait modification dans fichier de configuration Nextcloud là, pour capable ajouter domaine noir, comme un domaine qui est trustworthy, qui est fiable. Pour nous faire ça, nous allons aller d'abord dans le container noir, dans l'étoile écran, nous toujours ls. Nous allons aller dans le container Nextcloud. C'est là qui y a un fichier nous besoin. Donc nous allons céder dans le container. CD. Clear, nous allons lister tout les fichiers. Nous allons aller dans config. Donc nous allons faire CD config. N'a listé fichier qui est dans config auto, oui, AL. Nous pour aller dans www. Donc cd www. Listé contenu toujours. Nous pour aller dans Nextcloud. Désolé, donc c'est comme ça pour nous qu'on a un problème. N'a listé contenu toujours, de nettoyer comme on travaille bien. Voilà. Donc là, arrivé là, on a un fichier qui relè. Ok, donc nous allons aller dans le folder config, ça toujours. C'est dans les liens. Fait CD, config, entrer, nettoyer, n'a listé contenu toujours. Nous, voilà, nous allons aller dans le fichier ça. C'est lui-même nous besoin ajouter au moment là-dedans. Donc nous avons dit nano, nous avons dit sudo nano. Voilà. Entrer, il m'a des mots de passe, m'entrer mot de passe là. Voilà, donc là n'a pas nous compte voilà, c'est là li gagne seulement comme trusted domain adresse IP. Donc n'a pas copier tout rangé ça net. Nous copier li et puis n'a venir, n'a mettons l'autre rangé, n'a mettons l'autre ligne en bas là. Voilà, nous venir là, nous coller ça, nous copier. Voilà, n'a prêté 0, on mettait 1. N'a pris le domaine là, c'est cloudtuto.technplus.net. Voilà, on a fait qu'on a nous fini avec fichier, on a fait contrôle X. La pendant est-ce qu'on veut changer sauvegarder modification de faire, on a tapé Y pour yes et puis on a pesé entrer pour et comme ça nous sorti. Nettoyer écran. Normalement, on a besoin au démarrer conteneur, nous pour laisser s'il pas nécessaire la marcher, mais s'il nécessaire n'a venir n'a redémarrer la après. Donc n'a retourner sur Nextcloud là, voilà, n'a fait refresh. Et voilà, ou accéder connia avec lui. Donc quelque soit côté mon naye, il est capable connecter avec instance Nextcloud. C'est connia mbina, est-ce que me songe sa mot de passe saté, en fait si c'est admin. Bon, c'est bon. Et voilà, donc là, je suis déjà dans le dashboard là. Ya, yeah. Never. Pour nous revenir, cliquer sur Files pour pouvoir accéder à fichier Nextcloud. Voilà, donc c'est comme ça, on mettait Nextcloud disponible pour les gens dehors capables d'accéder avec lui sans problème. Dans un prochain tutoriel, je vais montrer qui Jean, par exemple, si vous voulez, ben, une possibilité pour modifier document Word Excel sur Nextcloud, ça qui j'ai pour faire ça. Nous avons plus le tutoriel qui va venir, mais j'aime dire non, même j'aime utiliser Nginx Proxy Manager pour m'bay accès à Nextcloud ça, ou capable utiliser le tout pour m'bay accès à un pile l'autre application. Moi même dans le laboratoire pas maintenant, moi gagne un pile application que c'est lui même utiliser pour m'bay accès avec. Par exemple là, toute application ça honnête, gagne monde qui gagne accès avec dehors. Donc c'est
En fait, pas toutes. Quelques n'ont pas besoin d'accès dehors. Par exemple, ça, donc, bah, accès dehors, c'est d'augmenter le risque pour un hacker pour grand ici. Donc, ça n'a pas nécessairement pour dehors. Mais par exemple, Analytics, moi, Invoice Ninja, moi, Bitwarden, moi, Wiki, hein? Donc, VPN, tout, donc, tout ça, donc, c'est toujours Nginx Proxy Manager que moi utilise pour moi capable d'avoir accès à eux-mêmes. Même pour l'application, ça qui permet de regrouper tout l'ensemble, que les Heimdall, le contenu lié que je déployé sur le serveur Docker principalement. Voilà, je souhaite que nous n'ayons pas de problème pour nous faire ça. Donc, j'aimerais dire nous utiliser guide pour nous faire ça. Voilà, guide est tout barré là-dedans. Donc, si vous avez un problème à la vidéo, utilisez guide en français, faites-le. Et puis, si vous rencontrez un problème ou une difficulté, pas hésiter, faites commentaire en bas dans la section commentaire là. Dis-moi qui ça qui problème là. Et puis, après, je vais résoudre. Sans problème, c'était Abraham L'Espérance de Tech et Plus. Je vous donne rendez-vous à très prochainement pour le prochain tuto. Ciao, ciao tout le monde.